Donc aujourd'hui, nous recevons Madame Michèle Dazas, qui est de base linguiste, pardon, et qui est également auteure de plusieurs romans. Et aujourd'hui, elle va nous présenter ses deux Jeanne, comme elle aime les appeler, c'est-à-dire Jeanne Boudot, qui a été non seulement la muse de Renoir, mais une élève, son amie, et Jeanne Chauvin, qui est la première femme française avocate. Donc voilà, je vais présenter deux livres. Voilà. Et notamment, donc, femme de robe, donc, qui s'attache à décrire le parcours de Jeanne Chauvin, la première avocate, a reçu le premier prix Arts et Lettres de France en 2018. Voilà. Donc, Madame Dazas, je vous laisse exposer vos deux Jeannes, nous raconter ces deux Jeannes. Et si nous avons des questions, ben on les posera à la fin de l'exposé. Merci, Madame Dazas. Écoutez, merci beaucoup. Alors, mes deux Jeannes sont des femmes du 19e siècle. Elles sont nées au 19e siècle, elles ont vécu aussi au début du 20e. C'est ma période de prédilection. J'aime beaucoup ce moment où tout commence, en fait, où les femmes commencent à vouloir prendre possession de leurs droits, enfin du moins à essayer de vivre comme les autres, pouvoir utiliser leur diplôme pour pouvoir gagner leur vie. Et puis, pour ma Jeanne Boudot, ça sera peindre. Et peindre aussi tout ce qu'elle veut, parce que par exemple les nus ne pouvaient pas être peints par des femmes à la fin du 19e siècle. Alors on va donc commencer par Jeanne Chauvin. Alors, Jeanne Chauvin naît à Jargeau, au bord de la Loire. Elle ne va y vivre qu'une année, mais ensuite son père, qui est notaire, va acheter une étude et se rapprocher de Paris, puisque ça sera à Provins, et c'est là qu'elle va vivre son enfance. Jeanne Chauvin est une enfant très brillante, une élève très brillante, tout l'intéresse, la littérature comme les mathématiques. Elle aime également, et c'est ça un petit peu la première ressemblance avec Jeanne Boudot, elle aime peindre. Et beaucoup de jeunes filles à l'époque prenaient leur pinceau et puis allaient peindre des paysages. Mais ce n'était pas encore quelque chose, effectivement, ça restait vraiment tout à fait privé. Donc, Jeanne Chauvin vit une enfance heureuse. Elle a un frère qui a 10 ans de moins qu'elle, qui est également très brillant. Tout va bien jusqu'au jour où elle a 16 ans, elle vient juste d'avoir 16 ans, où son père meurt subitement dans son étude. Alors là, c'est vraiment un choc parce que son frère n'a pas encore fini ses études, il est tout jeune. Elle n'a pas encore fini ses études non plus. Elle pourrait tout arrêter. Normalement, une jeune fille à l'époque pourrait simplement attendre tranquillement de se trouver un mari. Mais sa mère fait partie de la famille des Le Sueur. Et dans sa famille, c'est très original pour l'époque, on veut que les filles fassent les mêmes études que les garçons. Donc c'est très, très original et pas forcément très bien vu. Mais sa mère va, même si elle n'a pas beaucoup, beaucoup de moyens, elle va utiliser ce qui reste de la fortune familiale pour emmener ses deux enfants à Paris pour que Jeanne puisse faire ses études et Émile ensuite. Alors Jeanne va d'abord faire des études baccalauréat, sciences, ensuite mathématiques, licence de philosophie, et au moment où son frère commence à faire son droit, eh bien elle aussi, elle va avoir envie de faire du droit. Et voilà, c'est quand même tout à fait original à l'époque, une femme qui se lance dans cette carrière, alors que de toute façon, au bout, ce n'est pas possible, il n'y a rien. Les femmes ne peuvent pas devenir avocats, elles n'ont pas le droit d'utiliser leur diplôme. Elle va avoir sa licence en droit, elle sera la deuxième à avoir sa licence en droit, deuxième française. Et quelques années plus tard, elle va avoir envie de devenir docteur, doctoresse en droit. Elle va réussir, mais elle va d'abord écrire une thèse, une très longue thèse, ça va lui prendre 3 ans. Et cette thèse marque déjà un petit peu son combat. Et c'est une thèse qui prouve que les femmes
avaient la possibilité autrefois d'étudier bien plus, que là maintenant elles sont bridées dans leurs possibilités, et elles désirent, elles appellent de tous ses voeux la possibilité aux femmes de faire toutes les carrières, d'avoir toutes les carrières possibles comme les hommes. Donc ça, évidemment, c'est un petit peu, on peut dire que les gens qui vont juger sa thèse vont effectivement être un petit peu réticents, mais elle a quand même le droit de soutenir sa thèse. Et c'est là où mon roman commence, en fait, en 1892, quand elle vient soutenir sa thèse. Et là, on l'attend de pied ferme, car les étudiants qui, jusqu'à maintenant, la considéraient comme l'une des leurs, puisqu'elle était bien discrète, dans sa robe noire, elle étudiait très gentiment, etc. Là, tout d'un coup, ils la sentent comme une rivale, parce qu'elle va vouloir maintenant, avec ce doctorat, ne va-t-elle pas désirer un jour s'en servir de ce doctorat et devenir avocate? Donc, elle commence à soutenir sa thèse. Et là, c'est un brouhaha épouvantable, des charivari. La session est interrompue. On est obligé de remettre sa thèse à un autre jour. Et un autre jour à une date non connue du public, pour ne pas que ça se renouvelle. Donc, une grosse déception, bien sûr, pour quelqu'un qui a travaillé pendant 3 ans d'arrache-pied et qui doit recommencer. Mais elle, c'est ça aussi un trait de son caractère, un trait du caractère aussi de ma Jeanne Baudot que vous verrez plus tard, c'est que ce sont des débattantes. Elles ne se laissent pas, elles ont un but, elles ne se laissent pas compter, il faut arriver à leur fin. Donc elle va reprendre quelques jours plus tard le fil de cette séance, et cette fois-ci, elle va obtenir les 4 boules blanches qui lui permettent d'être doctoresse en droit. Alors, elle entend des choses un peu bizarres lors de cette séance, mais elle reste quand même de marbre. On lui dit que les carrières cérébrales sont très mauvaises pour la femme, très mauvaises même pour la race, qui peut dégénérer carrément. C'est après des études de médecins américains que on lui objecte ça. Bon, elle ne dit rien, bien évidemment, mais ça prouve que il y a vraiment une réticence profonde à ce moment-là. Les hommes ont très très peur de ces rivales qui vont. On a peur que bientôt des cohortes de femmes déambulent. Donc voilà. Elle, forte de ce doctorat, on pourrait imaginer qu'elle revendique tout de suite le désir de devenir avocat. Or, elle va attendre, parce qu'elle sait très bien qu'il faut préparer le public. Déjà, les gens ont beaucoup, beaucoup parlé d'elle dans la presse, beaucoup d'articles sont consacrés à cette fameuse première doctoresse en droit. Et elle pense qu'il faut ailleurs. Donc, aux États-Unis, il y a déjà au moins 400 femmes avocates. Mais dans les pays européens, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Et il y a une fameuse Marie Poplin en Belgique qui a déjà essayé de devenir avocat et qui a essuyé un refus. Son avocat était Louis Franck, il l'a bien défendu, mais il veut continuer à défendre la cause des femmes. Or, Marie Poplin, on lui avait objecté que la carrière d'avocat n'était pas du tout conciliable avec la vie de femme et la vie de mère. Or, cette femme avait déjà 42 ans et n'était pas mariée, donc n'avait pas l'intention d'avoir des enfants. Donc, vous voyez, c'était vraiment des arguments fallacieux pour vraiment repousser cette velléité de vouloir que les femmes aient les mêmes possibilités que les hommes. Il faut bien penser qu'à cette époque-là, les femmes n'ont même pas le droit de signer, de témoigner dans un acte civil. Et d'ailleurs, c'est en attendant de demander à être avocate, Jeanne va se lancer dans des combats
aux côtés de Jeanne Schmal, qui est la présidente de l'Avant-Courrière. Et là, elle va essayer justement d'obtenir des avancées, comme justement pouvoir signer dans un acte civil. Et elle aura gain de cause quelques années plus tard. Donc, elle, pour se lancer dans ce combat pour devenir avocate, elle a besoin de soutien. Son frère, Émile Chauvin, est un avocat qui commence à être bien connu et surtout qui est député. Il a donc des amis dans le gouvernement, des appuis. René Viviani lui promet de l'aider. Il reçoit Jeanne et il lui promet son soutien. D'autres personnes vont l'aider et parce qu'il faut changer la loi. La loi, en fait, ne stipule pas qu'une femme ne peut pas devenir avocat, mais elle ne stipule pas non plus qu'une femme peut devenir avocat. Il y a un vide juridique. Il faut le combler et il faut changer la loi. Et donc, ça va prendre quelques années. Ça va en 1897, quand elle veut devenir avocat, donc elle est déboutée. 3 ans plus tard, la loi va enfin changer et elle va être promulguée, cette loi, début décembre 1900. Et le 19 décembre 1900, Jeanne va enfin pouvoir prêter serment. Vous voyez, donc, elle a déjà un certain âge, là. Elle a déjà près de 40 ans, elle a 38 ans quand elle va pouvoir enfin devenir avocat. Alors, comme elle avait vraiment ennuyé tous ces messieurs de loi avec cette demande, on lui joue un mauvais tour, on fait passer devant elle une certaine Olga Petit qui n'avait rien demandé de plus que devenir avocat, mais qui n'avait rien fait pour devenir avocat. Et cette femme va prêter serment 15 jours avant elle. Ils ont fait ça pour que Olga Petit reste dans l'histoire et non Jeanne Chauvin. Or, c'est Jeanne Chauvin qui est maintenant reconnue par tous les avocates, les avocats et les avocates, comme la pionnière, parce que c'est elle qui a plaidé la première. Elle a plaidé tout de suite, dès janvier 1901. Son frère lui passe la main, et c'est là que, complètement ébahi, les avocats présents se rendent compte qu'ils assistent à un événement historique. La première femme plaide. Et là, son deuxième, sa véritable première plaidoirie en tant que d'une affaire qu'elle a suivie de bout en bout toute seule, c'est un mois plus tard à Château-Thierry où elle est reçue par le juge Magnot, qu'on appelle le bon juge, et qui va l'accueillir de façon très chaleureuse. Sa carrière est lancée. Alors, donc, Jeanne Chauvin reste pour nous une battante qui a fait bouger les lignes, qui a permis aux femmes d'accéder à cette profession. Elle va consacrer sa vie à l'enseignement pour pouvoir former des émules, d'autres femmes qui viendront ensuite former les rangs, les bataillons d'avocates. Maintenant, on sait que dans la profession, il y a pratiquement, je crois, plus de femmes que d'hommes. Donc, vous voyez, ça, tout a vraiment changé, mais c'est grâce à elle. Et en 1925, lors du jubilé des avocates, elle sera vraiment mise à l'honneur. Elle pourra juger de ce parcours et de ce qu'elle a fait, de son œuvre. Elle va recevoir la Légion d'honneur des mains de Raymond Poincaré l'année suivante. Et elle va également décéder l'année suivante. Parce qu'il y a encore quelques points de variole, ça peut paraître tout à fait fou, mais en 1926, il y a encore quelques points de variole dans la capitale, et dont particulièrement dans le 18e arrondissement, où en faisant œuvre de charité, puisqu'elle faisait de l'assistance judiciaire, elle va contracter la maladie et elle va décéder à Provins 15 jours plus tard. Voilà, donc ça c'est pour ma Jeanne Chauvin. Donc Jeanne Chauvin, je vais vous parler maintenant de Jeanne Baudot. Est-ce que je n'ai pas pris trop de temps pour Jeanne Chauvin? C'est bon, allez-y, prenez tout voilà. Votre temps, vous avez votre temps. D'accord, alors. Jeanne Baudot, plus jeune, de 15 ans plus jeune. Alors, toutes les deux, elles naissent dans des milieux bourgeois. Jeanne Chauvin, son père était notaire. Jeanne Baudot, son père est médecin. Il est médecin-chef de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Alors, elle naît à Courbevoie, dans une famille pareille, très aimante, très, très, très liée. Elle a une sœur qui a 10 ans de plus qu'elle, qui
qui s'appelle Berthe et qui va épouser un certain Bertrand, enfin la famille Bertrand. Donc, elle va entrer dans une famille de scientifiques, de gens qui sont très intellectuels, Berthe. Donc, d'ailleurs, la famille de Jeanne est intéressée par l'art. Ce sont des gens qui s'intéressent, surtout sa mère, elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est art, la musique, littérature, peinture. Alors, Jeanne, elle, curieusement, ce qui lui plaît énormément, c'est de peindre. On ne sait pas pourquoi, parce qu'aucun des deux parents ne peint, même s'ils admirent des œuvres, ils n'ont jamais pris un pinceau et commencé. Elle a envie de peindre, elle est fascinée par la nature et elle demande à ses parents de lui donner des cours. Donc, ses parents vont lui faire donner des cours par Jean-Baptiste Callot. Jean-Baptiste Callot, qui est un peintre très classique et qui est le père des sœurs Callot qui vont faire fortune dans la couture. D'ailleurs, c'est chez les sœurs Callot que notre Jeanne Baudot, qui est également très élégante et très coquette, achète ses chapeaux. Donc, elle peint et puis elle entend souvent parler d'un certain Renoir. Alors, à cette époque, les impressionnistes, on parle beaucoup d'eux, mais ils sont encore très décriés, ce sont vraiment des gens qui révolutionnent tout. Ça plaît un petit peu à notre petite rebelle, parce que même si elle se sent très heureuse dans son milieu familial, elle a envie de se démarquer, elle a envie comme toutes les filles de son âge, elle a envie d'avoir plus de droits. Elle veut être un peu comme vivre un peu comme les hommes. Mais pourquoi les hommes auraient-ils le droit de faire ci? Pourquoi auraient-ils le droit et pas nous, etc. Donc, elle entend parler de Renoir et elle aimerait bien rencontrer ce fameux Renoir. Alors, c'est pourquoi elle arrive à le rencontrer. C'est sûr qu'ils habitent pas très loin de Renoir. Ils habitent rue Thébout, qui est en bas de la butte. Renoir habite au château des Brouillards, en haut de la butte Montmartre. Mais ce n'est pas la seule raison. En fait, Bertrand, sa sœur, fait partie, donc par alliance, fait partie de la famille de Gallimard. Et Gallimard, c'est un collectionneur qui a acheté pas mal de toiles de Renoir et qui connaît bien Renoir. Alors, par son intermédiaire, elle va finir par entrer en relation avec Renoir. Et après beaucoup de tractations, Renoir accepte un jour de descendre rue Thébout pour regarder les œuvres de Jeanne. Et elle lui montre particulièrement deux toiles, dont une qu'elle a peinte à Givry en Bourgogne, où elle allait souvent chez des cousins, les cousins Clément. Et là, il la regarde. Alors, bien sûr, c'est le moment fatidique, toute sa vie va dépendre de ce moment-là. Il la regarde et il lui dit « Vous travaillerez longtemps avant de faire une toile comme celle-ci. » Et alors là, c'est le bonheur, parce que sa mère, qui était quand même un petit peu réticente à ce qu'elle abandonne ses études, qu'elle arrête tout pour se consacrer uniquement à la peinture, eh bien, elle dit « Bon, d'accord, on va tout faire pour que notre fille puisse suivre des cours de peinture, mais des cours de peinture d'une façon presque professionnelle. » Renoir ne donne pas de cours. Alors, il lui dit, écoutez, la meilleure solution, c'est que vous alliez suivre des cours, parce que ce qui est important, c'est d'apprendre d'abord les règles et de faire des copies des classiques. Alors, d'abord, aller au Louvre, et puis aussi apprendre les règles académiques, et il l'envoie à l'Académie Julian. À l'Académie Julian, il y a des cours pour garçons et des cours pour filles. Donc, bien sûr, les cours pour filles, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peint pas de nu. Mais il y a toujours des modèles et chacune est derrière son chevalet et puis peint. Et puis le maître, qui est Jean-Paul Laurence, qui donne des leçons très classiques et académiques, surveille et donne ses conseils. Alors, Renoir lui a dit, vous peignez d'après les modèles, vous ne montrez pas à Jean-Paul Laurence, vous ne montrez surtout pas ce que vous faites, mais vous me montrez après à moi et moi je vous dirai.
Alors, c'est ce qu'elle fait jusqu'au jour où Jean-Paul Laurens arrive comme ça, de façon impromptue, à l'atelier. Alors, en panique, elle met sa toile contre le mur pour pas que le maître la voie. Mais une camarade, sans doute jalouse, qui était à côté d'elle, la replace devant son chevalet. Et là, Jean-Paul Laurens regarde d'un air dédaigneux ce qu'a fait Jeanne Baudot en disant « Je ne corrige pas cette peinture-là ». Bien sûr, elle devrait être tout à fait triste, mais non, elle est ravie parce que ça prouve qu'elle est impressionniste et c'est ça qu'elle désire tellement elle voudrait. Elle veut peindre comme les impressionnistes. Et à partir de là, bien sûr, ça va devenir plus tendu à l'atelier, à l'Académie Laurens, à l'Académie Julien. Donc, Renoir va la recueillir dans son atelier, elle est ravie, elle ne pouvait pas rêver de mieux, et il va lui donner des cours. Mais c'est pas des cours, si vous voulez, on ne paye pas Renoir. Hein. Ce sont des conseils qu'il lui donne. Et d'ailleurs, une fois, il le prend également une Américaine. Et cette Américaine est très très jalouse de Jeanne Baudot. Et avant que Renoir arrive dans l'atelier, elle prend la toile et elle commence avec une truelle. Elle commence à tout effacer ce que Jeanne avait fait. Donc ça donne quelque chose d'épouvantable. Jeanne essaye de remettre tout en ordre, mais c'est catastrophique. Et quand Renoir arrive, il fait maint compliment à l'Américaine sur ce qu'elle a fait. Et quand il voit ce qu'a fait Jeanne, la pauvre, elle lui avoue, elle lui dit « Oui, voilà, c'est que Madame Clark, Mrs. Clark a pensé que ce n'était pas bien, elle a détruit mon... » Renoir est furieux. Mais c'était à lui de juger et non à elle. Et à partir de ce moment-là, elle ne peindra qu'avec Renoir ou dans son atelier. Ça sera son unique maître pendant, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort du peintre en 1919. Ils vont devenir des camarades, des complices comme larron en foire, vraiment comme deux enfants, alors qu'ils ont une très grande différence d'âge. Elle ne sera pas sa maîtresse. Elle sera vraiment son amie, son amie de cœur, son amie, une amitié qui va permettre à Renoir de faire des chefs-d'œuvre. Parce que il y a des moments où Renoir avait peut-être un petit peu aussi des moments de découragement, surtout quand ce qu'il appelait les littérateurs, donc les journalistes, faisaient des critiques acerbes. Quelquefois, ça arrivait dans certains, comme France Jourdain, un jour lui fait dans le journal, mais une critique qui est vraiment tout à fait terrible pour Renoir. Eh bien, il part avec Jeanne dans la campagne et puis à chercher des motifs pour peindre. Et il a besoin de cette femme qui le rassure, qui l'admire tellement. Et voilà. Donc elle a apporté beaucoup. Alors, si Jeanne Chauvin a apporté beaucoup à la cause des femmes, on peut dire que Jeanne Baudot a apporté beaucoup à l'œuvre de Renoir. Elle a peint, elle aussi, elle restera bien sûr un peintre mineur, hein, même si ce qu'elle fait est très beau. Elle n'est pas Renoir. Elle ne sera jamais Renoir. Et ça aussi, il faut qu'elle accepte. Ça, c'est difficile de vivre dans l'ombre. Et moi, je mets à la lumière de Renoir. De vivre tout près d'un monstre sacré et puis d'un génie pareil, et puis se dire mais non, malgré tout, je ne suis pas, je ne pourrai jamais être une artiste reconnue. Et peut-être d'ailleurs d'autant plus. Alors, elle était très amie avec les petites Manet, Julie Manet, Paul et Jeannie Gobillard, donc ces trois-là qu'on appelle les petites Manet, et une amitié aussi qui va durer toute une vie. Jeanne Baudot va connaître tous les artistes de cette époque. Elle va connaître Matisse, elle va connaître Degas qui va d'ailleurs, en plaisantant, dit qu'il va l'épouser. Lina Rey, elle va connaître Paul Valéry, elle va connaître tous les intellectuels de l'époque. Elle reste humble, elle reste modeste, mais surtout joyeuse. Elle est très, très joyeuse. Et c'est cette gaieté que l'on reconnaît dans ses toiles et également que l'on reconnaît dans les toiles de Renoir, car tous les deux, ils adoraient la vie, ils aimaient la nature, ils aimaient la vie, ils étaient très joyeux.
Je vous dirais que Jeanne Baudot est morte à 80 ans, donc elle a vécu une longue vie, que son filleul était Jean Renoir, le cinéaste, et que donc après sa mort, il a fait une rétrospective de l'œuvre de sa marraine qu'il adorait. Il l'appelait ma fée, que c'était une fée joyeuse, malicieuse, goguenarde même. Et donc elle reste. Elle a écrit aussi un livre, elle a écrit ses mémoires. Ses mémoires n'étaient pas vraiment les siennes, c'était plus. Elle voulait présenter tous les gens qu'elle avait connus à l'époque. Je me suis inspirée de ses mémoires et du journal de Julie Manet, car Julie Manet a tenu un journal avant de se marier, de 1893 à 1899, où Jeanne Baudot apparaît sous le nom de Jeanne B. Et elle parle souvent de Jeanne B. Et voilà qu'on découvre aussi quelle incroyable et malicieuse jeune fille elle était, et surtout tellement amoureuse de la vie, tellement facétieuse. D'accord. Bien. Pardon. Je vous remercie beaucoup, Madame Dazas. Donc moi, oui. j'ai des petites questions. Oui. En fait, les deux Jeannes viennent d'un milieu bourgeois. Oui, c'est tout pour à ça elles ont reçu une certaine éducation qui leur ont permis de s'entourer, si je puis dire, de personnes qui les ont nivelées vers le haut. Oui, si elles étaient nées dans un milieu plus modeste, elles n'auraient pas eu les opportunités qu'elles ont eues, quoi. On va dire ça comme ça. Sûrement, on est quand même façonné par son milieu, c'est sûr. Un milieu très intellectuel des deux côtés. Donc, des gens qui avaient une curiosité, une grande curiosité, et puis donc un amour des livres, un amour de l'art, un amour. Voilà, effectivement, c'était dans leur gène. Elles avaient besoin de. Et c'est pour ça aussi qu'elles ressentaient d'autant plus une frustration. De se dire que leurs frères, par exemple, les beaux-frères pouvaient faire des choses qu'elles ne pouvaient pas faire. Et d'ailleurs, Jeanne Baudot, sa sœur Berthe, aura 5 enfants. Et elle ne voulait pas vivre la vie juste de mère de famille. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'aucune de mes Jeannes n'est mariée. Elles se sont complètement dédiées à leur art ou à leur combat. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur Jeanne Baudot, parce qu'en fait, vous avez dit comme ça que c'était un peintre mineur. Qu'est-ce que vous entendez par peintre mineur? Elle n'a jamais été reconnue de son vivant? Alors, non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle a quand même, elle fait partie, vous savez, il y a un guide, elle est citée dedans. Vous savez, il y a beaucoup de peintres, et quelquefois on met peintre mineur, parce que ce sont des peintres qui n'ont pas connu une notoriété extraordinaire et dont les toiles ne valent pas une fortune. Elle a fait partie, elle est allée au Salon des Indépendants. Au début, elle a reçu un accueil très chaleureux parce qu'on reconnaissait quelque chose en elle, justement, du maître. Mais après, comme elle continuait à peindre un petit peu de la même façon, eh bien, on a trouvé, pour elle comme pour Paul Gobillard, on a trouvé qu'elles étaient des élèves trop dociles de Renoir. D'accord. Et donc, vous avez répondu à une question que je vous ai posée par rapport à Jeanne Baudot sur son héritage, mais vous avez dit comme ça que Jean Renoir avait fait une rétrospective de ses œuvres. Mais qu'en est-il maintenant? Toutes ces peintures qu'elle a faites, ses œuvres sont stockées quelque part Justement, c'est ça qui est très compliqué, parce que moi j'ai vu que lors de cette rétrospective, il y avait 60 œvres qui étaient exposées. Eh bien, il n'y en a aucune. Il y en a une. L'État en a acheté une, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas où elle se trouve. Et sinon, c'était un paysage que l'État a acheté. Sinon, elle faisait surtout des natures mortes, quelques portraits, etc. Aussi quelques paysages, mais surtout des natures mortes. Tout ça, c'est chez des particuliers. Alors, il y a des particuliers, il y a la famille de Jeanne Baudot qui, bien sûr, en possède, mais aussi des gens qui en ont acheté. Et d'ailleurs, récemment, j'étais tombée sur un autoportrait de Jeanne
qui a été vendu. Je ne sais pas où il se trouve maintenant. Et c'est pour ça que vous voyez sur la couverture de mon livre, sur le bandeau, on aperçoit Renoir en filigrane et on aperçoit cet autoportrait de Jeanne. Vous voyez ? Et donc, j'en parle parce que bon, dans mon roman, c'est une biographie, mais romancée. Donc, il y a une toute petite partie de roman. Et voilà. Donc, je mets toujours quelques toutes petites parties romancées au milieu du vrai. Donc, moi, je vais vous poser une question que je pose à beaucoup de monde. Pourquoi, notamment, surtout Jeanne Chauvin, quand même, qui est la pionnière des avocates, pourquoi elles sont méconnues en fait, du grand public, alors que ce sont quand même des pionnières, enfin, surtout Jeanne Chauvin. Oui. Bon, il y en a beaucoup comme ça, comme Madeleine Bresse, qui a été la première femme médecin. Mais elles sont tombées, j'allais dire, dans les oubliettes, entre guillemets, oui. Alors qu'elles ont ouvert la voie à certaines personnes, et peut-être oui. Même donné des vocations pour certaines, en fait, ou certains. Alors, je pense que d'abord, c'est parce qu'elles étaient, ça vient de leur personnalité, elles étaient modestes, elles sont toujours restées un peu en retrait, elles se sont dévouées, elles se sont données à une cause, elles se sont assurées de la relève, mais elles sont restées, elles n'ont pas cherché les honneurs. Si Jeanne Chauvin a été un peu une star au moment où elle a soutenu sa thèse, bon, ça c'est parce que c'est les journalistes qui voulaient, il y avait beaucoup de journaux à l'époque, il n'y avait pas de télévision, donc les gens lisaient beaucoup les journaux, donc évidemment c'était un sujet très intéressant. Alors pourquoi maintenant on essaye peut-être justement de les sortir de l'oubli, mais elles sont tombées dans l'oubli tout simplement parce que le monde continue, va de l'avant et qu'on passe à autre chose et qu'il y a toujours des nouveautés. Alors maintenant, quand même, depuis quelques années, 3 ou 4 ans, la bibliothèque de la faculté de droit de Paris porte le nom de Jeanne Chauvin. Il y a une ou deux rues qui portent, bon, bien sûr à Provins il doit y avoir la rue Jeanne Chauvin, mais je crois qu'à Paris il y a aussi une rue Jeanne Chauvin. Donc voilà, elle n'est pas complètement tombée dans l'oubli. Et puis, il y a des gens maintenant qui parlent d'elle, des jeunes femmes qui vont faire des thèses sur elle. On vient d'elle. Bien. Écoutez, moi, je tiens encore à vous remercier au nom de la ville de Pontivy d'être intervenue. Donc, je remontre vos deux ouvrages. Hein. Donc, À la lumière de Renoir, c'est Jeanne Boudot. Et Femme de robe, c'est sur Jeanne Chauvin. Voilà les deux livres que Madame Dazas nous a présentés. Voilà, je tiens encore à vous remercier d'avoir participé. Bien participé. Merci à vous. Via cette visioconférence. Merci à vous. C'est un plaisir pour tout le monde. Et je tiens quand même à vous remercier d'avoir bien voulu participer à cette biennale et à cet enregistrement. Bien. Merci à vous, Madame Dazas. Merci, et puis j'espère à bientôt. J'espère merci. Vrai, un jour. Oui, mais merci oui. À vous. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, vous aussi.